Aujourd'hui les amis, on est sur Brookhaven RP et je deviens fermière pendant 24 heures. Mais juste avant ça, like et abonne-toi si tu apparaît sur la liste. Bon allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on est à la ferme. Darkito, il m'a construit une super belle maison. Et puis écoutez, il est 6h du matin, donc c'est parti, on va nourrir les animaux et planter des graines. Bon allez, je vais leur prendre à manger par là-bas. Allez, regardez tous les chevaux qu'on a. Bon, allez, ils ont faim, on va les nourrir. Hop, là, elle tient pour toi, toi aussi. Allez, mange. Bon, apparemment, ça va. J'ai qu'à eu assez de maïs. Oh, regardez, il y a un tout petit cheval. Et pour finir, pour toi. Et puis, c'est bon, hein. On va leur mettre de l'eau, peut-être. Ah, bon, ça va, il y a déjà assez d'eau. Attendez, mais j'ai oublié quelque chose de super important. Mais... mon amoureux, pourquoi il est pas debout? Il fait quoi? Il est passé où? La 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 la, hop 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 hop, le fermier, le meilleur fermier de Brookhaven, c'est moi. Allez, hop là, je deviens le nouveau fermier, c'est trop bien ça. Bon, on va planter autre chose que du maïs. Vous savez quoi? On va planter des citrouilles. C'est pas mal des citrouilles. Voilà, elles sont trop belles en plus ces citrouilles là. Viens par là, petite citrouille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que... Ah, tu cueilles des citrouilles. C'est bien parce que justement, on avait besoin pour faire une tourte. Bah non, je faisais un câlin à la citrouille. Ça se voit pas quand même. Oh là là, elles ont l'air vraiment bonnes à manger. Ou alors, si tu veux, on peut faire autre chose, comme par exemple des sapins. Non, des citrouilles, c'est bien aussi. Ça te dirait... on va dans la cabane? Ah oui, direct. Oh là là, je suis trop content. Oh là là, ça va être trop bien. Hop, la cabane. Ouais. Non, il a écrasé les citrouilles. Non, mais c'est pas possible. Bon, allez, je vais dans la cabane. Passe par là. Hop là. Attends, non, mais il y a vraiment rien ici, non? C'est moi ou il y a pas de décoration? Tu pourrais pas mettre un peu de déco, mon amoureux? Ouais, vas-y, je vais te faire ça. De la décoration, alors... Oh, on peut même passer par ici. Oh, on a accès au toit ici. Oh, mais c'est trop bien, on va faire des trucs sur le toit. On va mettre une piscine. Vous savez quoi, on va quand même mettre des barrières au cas où. Faudrait pas qu'on tombe du toit quand même. Ce serait n'importe quoi si on tombe. Voilà, comme ça on est sûr de pas tomber. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Oh, des ballons. Oh, vu qu'on est amoureux, on va mettre des ballons avec des cœurs. Voilà. Hop là. C'est vraiment trop beau ici. On va même rajouter un barbecue. Voilà. Et voilà, ma chérie, c'est bon, j'ai fait la décoration, tu peux aller voir. C'est vraiment trop bien. Oh oui, je vais aller voir, j'ai trop hâte. Alors, oh, elle a fait un truc trop mignon sur le toit. Oh, c'est super romantique. Oh, j'adore les ballons. Bon, alors, super, en plus, il a fait, regardez, il a fait une piscine. Et de l'autre côté, un petit feu de bois, on pourra faire des chamallows. Et je vais voir s'il a fait la petite cabane ou pas. Allez, hop là, qu'est-ce que t'as mis? Bah t'as rien mis, c'est vraiment nul. Chérie, t'as oublié de faire la cabane, t'as fait dehors, mais y'a rien à terre, on a même pas on a un seul lit en haut, c'est tout. Bah on a la maison pour dormir, on va pas dormir ici quand même. Ah là là, chérie, quand même, on va pas dormir là. Mais c'est... ouais, remarque, en fait, si on peut dormir ici. Tu sais quoi, on va rajouter une table de maquillage, on va la mettre par là, hop là. Voilà, avec un petit miroir à côté. Et une pizza, quoique non, pas une pizza, des pâtisseries. Oh, voilà, là c'est bon. Et pour les lits, j'irai les récupérer. Dans la maison, il y a des sacs de couchage. Bon allez, génial, je suis vraiment super contente. Attends, quand même, on aurait dû se changer, non? On est à la ferme. Tu veux pas qu'on descende dans la maison et qu'on trouve des codes pour devenir de vrais fermiers, tu vois? Ouais, j'avoue, vas-y, je vais faire ça. Allez, je vais commencer. Allez, c'est parti, on va se changer dans la maison et je vais me changer en fermier. On va commencer avec le premier code, c'est celui-ci, et qu'est-ce que c'est? Oh non, faut que j'enlève mes cheveux, et mon bandana, et là, j'ai un chapeau de paille. Ah là, il est vraiment super cool ce chapeau, et ensuite, faut que je trouve encore un autre code. Et le deuxième code, c'est celui-ci, qu'est-ce que ça va être? Bah regardez. Alors là, si là, je suis pas un vrai fermier. Chérie, alors est-ce que je suis un vrai fermier? Attends, mais c'est pas un chapeau de fermier, c'est le chapeau de One Piece. Mais d'ailleurs, tu l'as vu la série? Bah ouais, mais du coup, je suis quand même un fermier. Les fermiers, ils ont des chapeaux de paille. Donc c'est bon, et en plus, j'ai une fourchette derrière. À toi de donner des codes. Ah là, je suis vraiment trop beau gosse comme ça. Bon, allez, moi, je vais me changer en vraie fermière. Allez, c'est parti, je vais vous montrer des codes. J'espère qu'ils vont être vraiment top.
Allez, le premier code, c'est celui-ci. Et attendez, on va voir. Oh, regardez, je porte des citrouilles. Franchement, c'est pas mal, mais le truc devant, je sais pas trop. Je vais voir si je trouve mieux. Allez, on va mettre ce code-là. Non, toujours pas. Bon, allez, cette fois-ci, c'est le bon. Oh ouais, regardez, j'adore ma coiffure. Je suis vraiment une vraie fermière. Allez, on va essayer de trouver une petite salopette. Je pense que ça irait super bien avec. Allez, on va rentrer le code. J'espère que ça va marcher. Franchement, ça le fait, hein. Bon, bah, je vais retirer le sac, hein, parce que, bah, il n'y en a pas besoin. Bon, on va essayer ce code-ci. Normalement, c'est un petit sac à dos. Franchement, il est trop mignon. Mais ça me va pas super bien. Bon, bah, je pense que là, je suis pas mal. Alors, mon amoureux, t'en penses quoi? Regarde. Alors, j'ai peur du résultat. Je vais me retourner et... Oh, le petit chaperon rouge. C'est vraiment rigolo. En fait, non, t'es vraiment une vraie fermière, quoi. Bravo. Bon, bah, franchement, on forme le plus beau couple de fermiers, là. Je sais pas ce que t'en penses. Tu me trouves belle, vraiment? Ah, mais t'es super belle. Franchement, t'es vraiment super. Je crois que je l'ai fait tomber avec ma fourchette. Ça va, chérie? Non, je vais pas bien. Tu m'as poussé. En plus, ton truc qui pique là. Je sais pas. Aide-moi. Oui, c'est moi. Attends, je te donne des médicaments. Tiens. Tiens, prends-les. Hop là. Voilà, je pense que ça ira mieux. Tiens, regarde les roses en attendant, ma chérie. Regarde-les bien. Hop. Et tac, piqûre. Voilà. Ça va mieux. Ça va aller, ma chérie. T'inquiète pas. Tout va bien aller. Oh oui, ça va mieux. Oh, merci beaucoup. Je t'aime vraiment, mon amoureux. Bon, allez, on a vraiment beaucoup de travail aujourd'hui, tu sais. Alors du coup, ben, attends. J'ai donné à manger aux chevaux. On a fait les citrouilles, il reste. Ah oui, c'est vrai, on doit creuser parce que là, on doit préparer d'autres terrains pour planter d'autres sortes d'aliments. Allez, c'est parti, tu m'aides. On essaie de faire, tu vois, à côté des citrouilles. Au moins, peut-être qu'après, on pourra mettre du maïs ou des tomates ou... Épinards? Vous aimez les épinards? Burk, ah, les épinards. Bah, j'aime pas. Attends, je sais que t'aimes bien, mais moi, j'aime pas. Mais ça va pas, j'ai testé ça, les épinards. C'est pour ça que là, j'ai planté du maïs. On en a jamais assez. Ouais, c'est vrai, je suis bien d'accord. Hop là, j'en rajoute un petit peu de partout. Voilà, ça va vraiment être super beau. Après, je sais pas quelle disposition il faut les mettre. Moi, je les mets un peu n'importe comment. Après, on fait ce qu'on veut. Là, en petit carré, moi, j'aime bien comme ça. C'est vraiment mignon. Avoue que c'est beau quand même. Non, c'est vraiment horrible. J'ai l'impression que t'as fait des petits carrés. Là, ça fait une forme vraiment bizarre. On va mettre un peu d'ordre. Hein. J'aime pas du tout. Et voilà. Franchement, avoue que c'est un peu plus carré là. Non, c'est mieux. T'aimes bien? Mais tu dis ça parce que c'est toi qui l'as fait. Je suis sûr que c'est parce que c'est toi qui l'as fait que tu dis ça. Bon, tu sais quoi? Moi, je veux rentrer. Comment il s'appelle déjà? Bernard le cheval. Allez, on va le ramener. Bernard. Voilà. Le cheval. Allez, hop là. On peut le ramener dans son enclos. Regarde, en plus, il s'est même sauté par-dessus. Hop là. Eh, hey, pourquoi il fait ce bruit-là, lui? Bon, allez. Mange un peu de foin. Ça va te faire du bien. Vraiment des bruits bizarres, ce cheval. Bon, voilà, j'ai ramené Bernard le cheval. C'est vraiment génial. Bon, je pense que là, il faudrait arroser. Oui, arroser vraiment les plantes, c'est hyper important. Allez, hop là, c'est parti. Un peu par là, un peu par ici. Encore là. Oh là là. Je pense que ça leur fait vraiment du bien là, parce qu'il fait vraiment chaud ici. Bon, je pense que là, c'est pas mal. Franchement, cette journée, tu sais, elle m'a épuisée. On a tellement fait de choses. Oh là là. Et dire que... Non, c'est vrai, demain, c'est bon, c'est fini. T'en as pensé quoi, toi, mon amoureux, de ces 24 heures à la ferme? Attends, qu'est-ce que j'en ai pensé, moi? Moi, j'en ai pensé que du bien. Franchement, j'adore. Je voudrais être fermier tous les jours de la semaine, tout le temps, à toute heure, tous les jours, parce que je suis avec toi. Bon, allez, je crois que c'est l'heure de la cueillette. C'est l'heure de la cueillette. Hop là, on y va? Non, ça s'arrêtera jamais. Bon, ben, moi, je vais reposer. Attends. J'ai oublié de te dire quelque chose. Tu sais, cette semaine, eh ben, j'ai une mini-miss d'Arquito. Elle m'a dit qu'en quoi, c'est bon, genre, elle va bientôt avoir son bébé. Et du coup, ils veulent nous le présenter. Donc, ils nous invitent à venir chez eux, tu vois. C'est vrai? C'est vrai, ça? Non, j'y crois pas. Allô, mini d'Arquito? Attends, oui. Voilà, je suis en FaceTime. Oh là là. Bah, qu'est-ce... Mais à quoi tu ressembles, là? Mais j'ai jamais demandé à... Et pourquoi tu ressembles à One Piece? Mais je suis pas One Piece, je suis un fermier, regarde! Oh là là, qu'est-ce que tu me fais faire? N'importe quoi, mini d'Arquito, tu crois vraiment que je suis un One Piece? N'importe quoi! Non, on dit pas comme ça, on dit Luffy! Ok, d'accord, et donc... Oui, et tu vas avoir un enfant, non? Enfin, je sais pas, genre, me parle pas de ma coupe, de mon chapeau, quoi! Bah,
C'est le truc qui me choque, genre tu m'appelles en FaceTime mais en plus t'as un chapeau de Luffy. Bon, ton enfant, tu l'as quand? Ah, bientôt, vous venez avec Miss Darkito, quand? Bah quand tu l'auras l'enfant, enfin je sais pas moi, quand tu l'as? Bah dans une semaine. Ok, bah la semaine prochaine on se voit alors. Oh là là, je suis vraiment contente qu'on aille enfin dormir. Bon, tu me rejoins dans le lit? Attends, il faut que je ferme la porte quand même, imagine il y a une vache qui rentre. Et je ferme aussi les volets. Et attends, tu veux que je dorme avec la fourche ou pas? Peut-être que je devrais dormir avec. Oh là là, j'en peux plus de ces questions totalement stupides. Mais enlève la fourche, attends, tu vas me faire mal. Sinon, tu as vu, tu m'as déjà piqué tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Bon, allez. Allez, bonne nuit tout le monde. Oh là là, bonne nuit ma chérie. Bonne nuit. Et n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. Et vous êtes contente de bientôt voir Mini Darkito et Mini Miss Darkito? Ah, moi, je suis super heureuse.